Bonjour. Épisode 10, notre let's play sur Kingdom Hearts Melody of Memory. Potentiellement le dernier épisode. C'est parti. Let's go. Alors je dis potentiellement, à mon avis, en vrai, je vais faire la fin en fait. Sauf s'il nous rajoute vraiment 3 heures de contenu. Mais bon. Pas les 3 étoiles. Mais bon. Non mais pourquoi je baisse le son alors que en fait on va s'enchaîner tout donc hein, voilà. Ah si, c'était 101. Oh nice. Bon bah 44%. Ah, c'est trop. J'hésite en fait. Est-ce que je mets la cam ou pas?
darkness will prevail and the light expire. It all unfolded just as the Book of Prophecies foretold. But Sora refused to give up. His heart persisted against all odds. He used the power of waking and fought long and hard to save his friends. And so, the Light's defeat was overwritten, and the Guardians of Light reassembled at the Keyblade Graveyard. The deciding battle with the true Organization 13 was about to begin. As the battle raged, Terra, Roxas, and Shion were revived and joined the Guardians of Light. But Master Xehanort still succeeded in summoning the true Kingdom Hearts. To stop Kingdom Hearts from unleashing its power, Sora went to the ancient city of Keyblade wielders, Scala at Kailum, and the final battle began. As the fierce struggle ended, Master Xehanort gave up the Keyblade and abandoned his plans. Kingdom Hearts was sealed away. But it was still far from over. I had disappeared during the battle, and Sora was determined to bring me back. He set off on his journey once more, alone. Ça me plaît. This place. Seul monde qui a une introduction, hein. Thank you.
Sachant d'ailleurs que le jeu il propose pas de sauvegarder directement, c'est des sauvegardes auto, bon. Mais ça je fais un peu rire dans un sens, mais bon, bref. This world will be engulfed in darkness. Everything you care about, and everyone you love. If you truly possess the power of a princess of heart, your heart will resonate with the Keyblade wielders, and I believe you can lead me to that wielder's world. That is the only possible way to save ours. You see, this is more than an experiment. It's hope. Like most, you probably believe that nothing exists outside of this world you live in. And yet, there are countless other worlds. You can see them sparkle brilliantly in the night sky. Through that sea of stars, fate will guide your ship to where you are meant to be. However, if you arrive in a world that's neither of light nor darkness, but somewhere on the other side, your task will be far from easy. If that happens, you must abandon your search. We have failed. Ça, c'est intéressant. En vrai, c'est vachement intéressant parce que du coup, ça explique non seulement comment Kairi se retrouve sur l'île du destin, qui est d'ailleurs un endroit qui se trouve ni dans la lumière ni dans les ténèbres, hein, de mémoire. Mais en plus de ça, ça explique comment Xehanort s'est retrouvé là-bas aussi, du coup. Pour parler à Sora dans KH1. Thank you.
are you? Show your face! Not so fast, my dear. You're the one who keeps messing with my fate. If it weren't for everything that you've done, then Sora and everyone would be safe. Even if you're not really here, and this is just a memory or illusion, I won't let you walk away. You're right. I set you adrift in another world and drastically altered the course of your fate. In the end, you were destroyed by my hand, paving the way for Sora's disappearance. You've become quite the Keyblade wielder. For a retired master, Yen's had prepared you remarkably well. This world was created from the memories contained within your heart. You seek clues to Sora's whereabouts by using your memories of him to search through your own heart. But there's nothing for you to find here. I'm afraid the answer you seek lies in memories that are long gone. I have had enough of this! As I thought, your voice can't reach us here. Now I'm certain of where your heart is. What? Pardon? Vas-y, hein. Porte nos bols ici. On tente. Au secours! Je regrette déjà. Alors... Ah!
Ah, attendez, est-ce que je me suis... Non, voilà, d'accord, le jeu est bien fait, il te propose quand même de rechanger. On va retenter une fois en expert. Par contre, je vais remettre la cam en vrai, parce que voilà, pour ce combat final. Oh ! Oh ! Oh, c'est vibe de cette cinématique ! Oh ! On va passer en standard. Visiblement, j'ai pas le level. Hein. J'aurais essayé au moins, mais waouh. Ok. OST, oh là là! Thank you, Sara. On the day that I sent you out from your world, do you remember what it is I sent you? Those words hold the answer you seek.
I may cause you to suffer, but I am a product of your heart. For that reason, I shall give you your answer. Before, when my heart and body were still united as one, I told you about what would happen if we were to fail. If you arrive in a world that's neither of light nor darkness, but somewhere on the other side, your task will be far from easy. That is the answer I have for you. What does that mean? If you arrive in a world that's neither of light nor darkness, but somewhere on the other side, your task will be far from easy. Yes, he said that's the answer. Not of light or darkness, but on the other side? I've never heard of a place like that. Something else he said perplexes me. Your voice can't reach us. I'm certain of where your heart is. You would assume that he's referring to the realm of darkness, but that clearly isn't the case here, wouldn't you say? Where voices can't reach. The other side of our world. Of reality? Unreality? A fictional world? Fictional? I'm afraid such mysteries are beyond our comprehension. Maybe Mickey or Master Yen Sid knows. Any news? Riku! Oh, Kairi! You woke up! Yeah, just now. How come you're here? Well, actually, I found some info about Sora. Really? We got something too! You did? Oh! Oh, excuse me, dears. I certainly didn't mean to startle you. If you're not expecting magic, it can be a surprise. No kidding. Now then, I am the fairy godmother, and it's a pleasure to meet you all. She came here at Yen Sid's request. He said she's got a clue that might help us find Sora. Yen Sid sent you? That's right. To find Sora, we need three keys. First, Riku. And then, of course, there's you, dear Kairi. Okay. With Riku's dreams and Kairi's memories, you two have already done your part. Kairi's memories? Yes. We performed an examination of Kairi's heart and obtained an important clue from the lost memories it contains, which is that there's another world on the other side of ours that's not of darkness or light. Riku, what did you dream? Oh, well, since Sora disappeared, I've been having dreams about a large city with tall buildings. Apparently, that's the clue. A city? Maybe that's what Xehanort was talking about. A fictional world. A fictional world? Yes, perhaps. The three realms of our world. Light, darkness, and between. These are all places we can travel to, because they are on our side. This also includes the worlds of memories, data, and dreams.
If I am correct, then this other side of our world, from which voices cannot reach, must be a place outside of our reality. Namely, it must be unreality, or fiction. But that is the extent of our knowledge. So I thought we should go to Mickey and Master Yen Sid to ask about it. I'm not quite sure they'll be able to help you, my dear. Then what now? Oh, you forget. There are three people who hold the key. There's still one more. One with a strong will and a very precious dream. Who is it? You'll see. I'll introduce you. Huh? Oh. This place. You know it? Yeah. I came here with Sora, and also in my dreams while I slept. This is the final world. But there's no one here. That's not true. Why don't you look closer? Huh? The stars. I never noticed. Yes. Strong hearts gather here after death until they are ready to move on. I'm sure she's around here somewhere. She? The final key. Huh? We found you. We've been searching all over for you, my dear. Do I know you? I'm Kairi. It's a pleasure to meet you. You're all able to retain your appearance in this world. I met someone else who could do that. So she's the final key? That's right, dear. Now we finally have all three. But how exactly can she help? It's simple. She came from the world on the other side. What? Huh? You see, she's very special. Her form was taken from her, but she managed to find her way here. If she goes back to her world, her heart will certainly be stolen. Right, dear? Oh, yes. It seems you know a lot about me. A little. And I would use my magic to change you back if I could. But I'm afraid that's impossible while you're in this form. Don't fret, though. I believe that we'll find a way to make your dream come true very soon. My dream? Come true? I want to help make that happen. Will it lead us to Sora? Oh, I'm afraid it's not that simple. First, we must get to her world. She can open a path for us, and you can use the power of waking to go there. The power of waking? Sorry, but did I hear you say Sora? Huh? Wait, do you know him? Yes. He was here. He encouraged me not to give up. Did something happen to him? Yeah. Sora disappeared. He's a good friend of ours, so we've been looking for him. Mm.
Right now, we think he's in a big city full of tall buildings. Ring any bells? A city full of tall buildings? Quadratum? Huh? It has more skyscrapers than any other city I know. That must be it. Quadratum. Is that where Sora is? There's no way of knowing. But I believe it is possible. All right. Think you can help us? I'm not sure exactly what's happening. But if Sora is in trouble, I want to help. Please let me know what you need from me. Thanks. I'm afraid this is as much as I can do. It's up to you, Riku, to take care of the rest. I want to go. Kairi, that's not... Yeah, I know. I want to go with you. But... I know that I can't. I need to finish training. I need to become stronger. And when I do, I'll be right there next to you and Sora. Good. But first, I'll go explain everything. To Donald and Goofy, and to Mickey and Master Yen Sid. Be careful out there, dear. And try not to do anything too reckless. Come straight back if you encounter any trouble. I will. Yes. Et ben voilà. Ok, alors... Il y aura des milliards de théories qui vont se faire, j'imagine. Mais ok, donc du coup on sait maintenant où est Sora. Alors par contre, si je dis pas de bêtises, Quadratum, c'est pas l'endroit où se passe The Warden With You. Mais... Je suis assez curieux de cette histoire de monde fictif. Enfin, voilà, monde fictif par rapport au monde de Cage, quoi. Qui, ça, ceci dit, rejoint un petit peu le côté. C'est le monde de. Comment il s'appelle ? Yozora. Qu'on voyait dans Toy Story. Dans l'univers de Toy Story. Qui est finalement un univers fictif par rapport à Kingdom Hearts. Vu que c'est un univers de jeu dans l'univers de Kingdom Hearts. C'est vrai que pendant un instant, je me suis dit, ça se trouve, il y a un côté méta où en fait Sora est dans notre monde, entre gros guillemets. Je sais pas, enfin. Ça me rend très curieux de savoir ce qu'ils vont faire par la suite, du coup. Et du coup, on a vu ce personnage mystérieux, cette étoile mystérieuse qui nous parlait dans KH3, en fait, elle a un dialogue assez important et assez cryptique. Fait qu'on pense que, enfin globalement les gens pensent
C'est Strelidia, si je dis pas de conneries. Donc si je dis pas de bêtises, encore une fois, parce que je suis pas totalement... Je suis n'importe quoi. Au fait du lore de Yon Cross, mais... Si je dis pas de bêtises, c'est un personnage de Yon Cross. Et moi, en tout cas, de la façon dont je l'avais perçu, j'ai l'impression qu'elle parlait de Marluxia. En disant qu'en gros, elle attendait quelqu'un, mais qui ne la reconnaîtrait pas. Donc, bon... C'est vrai que moi, je m'étais dit, bon, ça a sûrement un rapport avec Union Cross, avec, voilà, justement, Strelitzia qui est liée à Marluxia. Enfin, Marluxia. Je sais plus son nom original. Oh, je fais n'importe quoi. Mais, est-ce que c'est le cas? Du coup, c'est pas sûr, en fait. Ça se trouve, justement, bah, la rapport soit avec The Warden With You, soit juste avec le proche, enfin, soit les laves juste pour teaser ce qui se passera dans KH4. Mais donc voilà, Sora se trouverait a priori en tout cas à Quadratum. Alors est-ce que ça veut dire qu'on va jouer Riku dans le prochain? Je ne sais pas. Après, c'est quand même, je suis quand même encore, enfin comment dire, je suis curieux vis-à-vis de ce qu'a dit Zeanort, du lien qu'il semble avoir avec Kairi en fait. Ce qui parle de projet, de mission. Mais quelle est la mission de Kairi en fait? Quel était l'intérêt pour Zeanort de se retrouver dans l'île du destin quoi? À part de retrouver un porteur de la Keyblade. Après ceci dit, ouais, le simple fait de trouver un porteur de Keyblade va être nécessaire pour son plan justement de la guerre des Keyblades, donc c'est peut-être juste ça. Hein. Mais il avait l'air de l'avoir laissé une mission, enfin, ouais, une mission à Kairi. Donc, à mon avis, voilà, il doit y avoir un milliard de théories qui ont dû se faire dessus. Je vais prendre encore le temps d'y réfléchir, moi, de mon côté. Clairement. Parce qu'en plus, comme vous l'avez dit, là, c'est vrai que c'est un peu la reprise cash de mon côté, donc faut que je me remette à jour sur tout le lore. Mais en tout cas non, j'ai beaucoup aimé le jeu. C'est vrai que bon, un jeu de rythme, moi voilà, je savais pas trop quoi en penser à la base, on va dire. Oula. Vu que j'ai pas beaucoup d'expérience là-dedans. Mais c'est très agréable. Et bon, les musiques de cache quoi. Et du coup, on en apprend plus un petit peu sur le lore, et ça fait une connexion, justement, bah, j'imagine, vers Kingdom Hearts 4. Même si, connaissant la saga, c'est pas impossible qu'on se retrouve avec d'autres épisodes qui arrivent après. Heureusement qu'on n'a pas de points. Hein. Heureusement qu'on peut pas rater, là. Après, là où je suis curieux... Enfin, en fait, je pense que j'ai la réponse, mais... Du coup, cette personne, cette étoile, on va l'appeler l'étoile, hein, parce que pour l'instant, j'ai pas envie de l'appeler Strelitzia alors qu'on n'est pas sûr. Mais... En fait, c'est la troisième clé pour retrouver Sora. Du fait qu'elle vienne de ce monde-là. Rien de plus. Non? Peut-être. Parce que je veux dire, Riku et Kairi, ils sont directement liés à Sora. Et c'est vrai qu'au début, quand elle parlait de la troisième personne, je me suis dit, j'ai pensé à Ventus, mais je me suis dit non, sauf que Ventus, ils le connaissent, donc quand elle avait fait, elle dit ouais, je vous la présenter, c'était pas possible. Mais Ah, yes. Oh. Yes, j'ai fait d'un... Alors après, est-ce qu'il y a une fin secrète dans ce jeu? C'est pas impossible, hein. Bon, bah, on devrait pouvoir voir ça. Mais en tout cas, c'est ainsi que se termine ce Kingdom Hearts Melody of Memory. Une expérience, donc, ouais, j'aurais bien apprécié, en tout cas.
Et bon, voilà, du lore intéressant pour la suite de Cage qui va donner encore matière à théoriser pendant, pendant moult temps. Et ça, c'est bien. Sachant que... Riku went alone? But that's way too dangerous! I have to go after him now! Do not be hasty, Mickey. But Master Yen said, he's all alone in a world we know nothing about! Precisely. We have never faced something like this before. Which is why we must remain calm. But... Kairi, this information you bring us, it comes from Xehanort during his time as a researcher? Yes. Then that means he must have been aware of this other world for quite some time. But... We defeated Xehanort. Is there anybody else we can ask? When I was still serving as a Keyblade Master, it was known that the ancient masters had crossed over into another world. I surmised that Xehanort looked more deeply into that world. The ancient Keyblade Masters... For now, we must reach out to those in Radiant Garden, the Land of Departure and Twilight Town, who are searching for Sora, to inform them of what we have learned and have them halt their respective efforts. Donald, Goofy, I leave this to you. Yes, sir! Yes, sir! And Kairi... Will you continue your training as you were before? Actually, I'd like to study under Master Aqua. That is an excellent idea. I approve. Thank you. And you, Mickey? Yes! I task you with the investigation of this new world and how it is related to the ancient Keyblade Masters. But how? You'll begin in the world of Scala Ad Kailum. Pardon? Mais comment il va faire pour y aller? Faut qu'on m'explique, hein. Ok. V6 Vienne, rapport mémoriel. Oui, bon, voilà. Constat d'échec, hein, dans le... hein, voilà, bon, j'ai tenté. Morceau déverrouillé, 143 sur 50. Comment ça? Bon, oui, on a débloqué les nouveaux morceaux. Ok. Vous avez bloqué toutes les vidéos des archives. Comment ça, toutes les vidéos? Mais non, mais... Bon, bah du coup, il n'y a pas de sens secrète. Bah, ou alors, s'il y en avait une, on l'a débloqué, quoi. Parce que je voulais voir ça, justement. Attendez, c'est là, je crois. Ouais. Ouais. Ok. Menu annexe. Oui, non, d'accord. Et du coup, ouais, j'avais regardé vite fait, et a priori, il y a pas, j'ai pas vu de rapport d'Ansem dans ce jeu-là. À part si on l'a débloqué du coup maintenant. Mais ouais, non. A priori, non. Hein. Plongée mémorielle, ouais, non. Hein. Ok. Bon, bah du coup, voilà, là, on a le lien. On sait à peu près ce que vont faire les gens, les différents personnages.
Sachant que... bon, on sait aussi quand même que... attendez, je rebaisse un peu le son, histoire de... justement, les anciens maîtres de la Keyblade, on les a vus. Ils sont revenus, ils sont de retour. Hein, on les voit, bah, je crois que c'est à la fin de Remind, si je dis pas de bêtises. Peut-être qu'à la fin de... Peut-être à la fin de Vanilla de Cash, je crois. Je sais plus, j'ai un doute. Mais ils sont revenus. Donc bon, quelque part, voilà, on pourra peut-être avoir des infos comme ça. Si Mickey finit par les croiser, il pourra leur demander, quoi. Après, du coup, ça m'a fait penser au fait que, justement, dans le lore d'Union Cross, si je dis pas de conneries, encore une fois, hein, peut-être que je dis des bêtises, mais il me semble pas, justement, à la base, tous les mondes sont connectés. Même, je crois que c'est un truc qui était établi dans le lore de KH de base, mais que tous les mondes étaient connectés, et que, enfin, voilà, notamment la guerre des Keyblade a séparé les mondes, justement, plusieurs mondes. Du coup, est-ce que la réunification de ces mondes peut avoir un lien quelconque, enfin le fait d'avoir tous les mondes en un seul, à la base, peut avoir un rapport quelconque avec Sora, avec l'endroit où se trouve Sora? Bon, voilà, sachant que je sais que dans... Enfin, il faut que je finisse Union Cross, je l'avais commencé, je l'avais pas fini sur téléphone, mais je sais qu'il y a Malifie qui voyage dans le temps, il y a des trucs comme ça, enfin donc... Voilà, il y a sûrement des trucs dans le lore à creuser aussi autour de ça. Mais... Donc bon, enfin... Voilà, je vais pas m'avancer sur des théories, parce que j'ai 36 000 autres trucs qui me viennent dans la tête. En tout cas, c'était vachement sympa. Bon, Melody of Memory, Kingdom Hearts Mom, ne nous aura pas donné d'informations supplémentaires sur le maître des maîtres. En même temps... bon... Voilà. J'imagine que voilà, on n'aura pas son... En vrai, j'y ai cru, hein. Je vous avoue que j'y ai cru quand t'as eu Xehanort, mais qui avait sa capuche, qui était face à Kairi, j'étais en mode « Oh putain, c'est le maître des maîtres !» Et non, bah, c'était juste Xehanort. Bon. Mais ceci dit, c'est intéressant. Il faut que je revoie aussi la fin de Remind. Bon, ça, j'attendrai de le faire en let's play. Pour le coup. Parce que je sais qu'il y avait des dialogues, justement, entre Xehanort et le maître des maîtres... qui du coup, maintenant que j'ai ces infos-là, peuvent peut-être être plus intéressants, peut-être donner d'autres perspectives. Enfin, voilà, il y a des trucs. Je pense que de toute façon, il y a des trucs qui vont se connecter petit à petit. J'ai hâte d'en savoir plus sur la suite du lore de KH, tout simplement. Encore une fois, moi j'ai beaucoup aimé le jeu. Juste, on va aller voir dans le tour des mondes si on n'a pas des trucs en plus. On sait jamais, hein. Ça se trouve, là, on a débloqué 12 milliards de trucs, et voilà. J'ai réussi tous les morceaux dans chaque monde, et ouais. Mais non, visiblement, non. Bon. 309 sur 354. Ok, bah écoutez... Moi, je rejouerai à ce jeu pour me faire le 100% sur les différentes missions. Notamment... Oh, et si on se finit avec un petit Vector to the Event. Je pense qu'on va se finir avec un petit Vector to the Event. Mais du coup, ouais, non, j'ai beaucoup apprécié ce jeu. Globalement, ça change du gameplay cache de base. Bon, j'ai quand même très hâte de refaire Burst by Sleep. Hein. Mais ça va arriver, du coup. Et j'espère que vous aurez apprécié ce let's play, cette découverte du coup, qui aura été, ma foi, assez intéressante, assez... Alors, riche en informations, peut-être pas, mais en tout cas qui donne des infos, qui font poser pas mal de questions. Voilà. Encore une fois, comme quasiment tous les jeux Kingdom Hearts, en fait. Mais bon. Du coup, moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et est-ce qu'on va réussir à faire les 835 000 points? Sûrement pas. Bon, on va le tenter quand même. Bye bye.
OMG! Oh, ça c'est beau. Meilleure fin de let's play.